Durant la première semaine d'octobre, les élèves du collège Camille Corot ont voté à la manière des adultes, dans un bureau de vote, dans la salle A009. Le Petit Corot TV vous propose un reportage en immersion avec les élèves de 3ème 2. Vous nous connaissez déjà. On est deux jeunes filles de 14 ans intéressées et motivées pour être déléguées. Nos qualités et nos motivations, Victor et moi sommes attentifs aux moqueries et à la discrimination qui peut éventuellement porter sur un élève. Nous ne voulons aucune injustice dans une classe. Notre motivation est d'avoir le meilleur climat de classe pour le bien des élèves. Alors les assesseurs pour la 3ème 2 sont Angelina et Jules. Ils vont donc commencer à voter. Quatre candidats se sont présentés accompagnés de leurs suppléants et les assesseurs furent le plus jeune et la plus âgée de la classe. Ah, mon prénom, il est super bien. Mélissa, allez. Et même Mélina, chez une, vous pouvez y aller derrière. Alors, vos impressions sur la journée d'aujourd'hui ? C'est quelque chose de nouveau pour nous, parce que du coup, surtout qu'en ce moment, on est en troisième, et du coup, on va s'associer avec le monde du travail. Là, on dirait vraiment qu'on est des adultes, parce que du coup, on vote comme eux. Ils l'ont fait avec les présidentielles ou autre. Du coup, c'est génial. Comme on est les plus grands du collège, ça nous permet là de prendre la responsabilité en votant dans les urnes. C'est très intéressant, savoir comment ils votent les adultes. 15, 16, 17. Carla et Mélina. Et donc sont élus au deuxième tour à la majorité relative Carla et Louise ainsi que Mélina et Chérine. Merci. Bravo, on est très contents d'être délégués. Voilà.